bienvenue dans ma salle de bain, bienvenue dans cette première vidéo dans ma salle de bain. Je vous avais dit qu'en 2021, j'avais envie de me lancer un petit peu dans autre chose. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une night routine ensemble. Donc ma night routine, en fait, du moment, que le visage. Donc je suis rentrée chez moi, je me suis mis à mon aise après une grosse journée. Je pense qu'on fait toute la même chose. On enlève les chaussures, on enlève les habits qui sont serrés et tout. On se met à l'aise. Et là, ça va être mon petit moment pour moi, mon petit moment du soir. J'essaie de faire vite parce qu'avec les enfants, etc., etc., j'ai pas trop le temps. Par contre, je vous ferai une skincare routine, on va dire, de la semaine. Parce que le dimanche, par exemple, je prends généralement une heure et demie pour moi. Où là, par contre, je fais beaucoup plus de choses, je prends soin de moi. Corps, cheveux, etc. Là, on va faire skincare routine vraiment du soir. J'espère que vous serez indulgente. C'est la toute première fois que je filme dans ma salle de bain. Donc, j'ai essayé de m'organiser comme je peux. J'ai fait un Big Mac pas possible. Il faut que j'essaie de régler le son, de régler les éclairages. Enfin, voilà, c'est la première. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Et puis, j'ai pas une salle de bain de ouf. Hein. J'ai une famille avec des enfants qui mettent un bazar partout. J'ai essayé de ranger au max. Mais bon, on voit bien derrière, c'est un bazar pas possible. D'ailleurs, je vais essayer de faire un de ces quatre, un énorme tri, un énorme rangement dans ma salle de bain comme j'avais fait pour le make-up. Je vous embarquerai avec moi d'ailleurs. Alors on va commencer, mais avant ça bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, tout de suite maintenant en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas, s'abonner. Moi ça me donne de la force, ça m'encourage pour vous produire de plus en plus de contenu et plus je suis soutenue, que ce soit des likes, les commentaires, surtout les abonnements, plus je pourrai vous faire de vidéos et j'espère des contenus de qualité. Donc voilà, si vous l'êtes déjà, merci beaucoup beaucoup. Et si c'est pas le cas, eh bien allez-y, vous pouvez le faire maintenant. Je vais commencer. Alors généralement le soir, j'applique 5-6 produits. Quand j'ai le temps de faire un peu plus ou quand il y a besoin de plus, je fais plus. Mais sinon, globalement, c'est assez simple. Le soir, j'essaie quand même de faire le maximum parce que le matin, j'ai très très peu de temps pour moi. Voilà, on doit aller au boulot, amener les enfants à l'école, etc., etc. Le matin, c'est vraiment le minimum. Et le soir, j'essaie vraiment d'apporter à ma peau vraiment tout ce dont elle a besoin. Donc moi, je suis team douche plutôt le soir. Donc généralement, je prends d'abord ma douche. Les deux premières étapes, c'est-à-dire démaquiller et nettoyer, généralement je les fais dans la douche. Mais bon, là je vais les faire avec vous, parce que je ne vais pas me filmer en me douchant. Je sais qu'il y en a qui le font, hein. Moi je ne suis pas du tout au point pour faire ça encore. J'ai un peu la lumière dans la face côté gauche, mais bon, c'est pas grave. Donc première chose, première étape fondamentale, mais vraiment fondamentale, je démaquille. Il faut toujours se démaquiller, que vous ayez mis peu ou beaucoup de maquillage. Moi j'oscille entre deux en ce moment. L'huile démaquillante de chez Yves Rocher, l'huile micellaire démaquillante, la Pure Calmie, celle-ci que j'aime beaucoup, 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 je vous en ai déjà parlé. Elle est super fine, super fluide, elle se transforme en lait en fait au contact de l'eau. Elle a une odeur surtout qui est divine, elle sent le, ouais, l'amande douce. Moi, personnellement, j'adore cette odeur, c'est vraiment divin de se démaquiller avec ça. Et en plus, elle n'est pas très très chère. Ou alors, j'utilise aussi un petit baume qui s'appelle Baume Gomme de la marque Alors Ça Pousse. Donc c'est ce petit baume démaquillant là. Alors c'est marqué concentré, nettoyant, démaquillant, que j'avais reçu de la part de la box et du site Macosmé. Ça se présente comme ça en fait, ben, comme le baume clinique, vous savez, démaquillant. C'est vraiment clean à base de plantes, ça sent d'ailleurs énormément les plantes. Il suffit d'en mettre un tout petit peu, de masser votre visage et de rincer à l'eau. Ça élimine extrêmement bien le maquillage. Simplement, la seule chose, moi j'adore ce produit, mais j'évite de l'appliquer sur les yeux parce que j'ai remarqué personnellement qu'il me piquait un peu les yeux. Donc, je l'applique généralement quand j'ai maquillé uniquement le teint. Mais moi, je suis pas du tout lait démaquillant. Je trouve pas ça agréable à utiliser. La plupart, ils me piquent les yeux. En plus, il faut utiliser des cotons, etc. Donc, j'évite aussi. Je suis pas très biphasée non plus. Donc, moi, ce que je préfère, c'est soit les huiles, soit les baumes. Pour me démaquiller, c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Donc aujourd'hui, je vais utiliser celle d'Yves Rocher. Généralement, j'en mets 3-4 pointes dans ma main. Je fais chauffer un peu l'huile dans mes mains. Et puis tout simplement, je viens comme ça la masser par petits mouvements circulaires. Le cou aussi et le décolleté, puisque je mets mon produit teint, enfin mon produit solaire, je le mets dans le cou et dans le décolleté. Voilà, sur les yeux, j'essaie de passer quand même doucement. Il y a une époque où j'y allais comme une abrutie sur mes yeux en frottant le mascara, etc. Là, c'est pas la peine. Franchement, plutôt que de s'enlever des cils, etc., il vaut mieux y aller doucement. Et voyez, là d'ailleurs, avec cette huile, elle pique absolument pas les yeux. Je peux très bien, pendant que je me démaquille, ouvrir les yeux, vous parler et tout. Ça pose aucun souci. Ça brûle pas, ça pique pas, pas du tout.
J'ai mis un mascara qui était quand même assez tenace. Et vous voyez, elle enlève vraiment bien, hop, toutes les matières. Et en plus, elle est douce. Elle sent trop, trop bon. On est divine. Vraiment, essayez-la si vous ne la connaissez pas. Elle est moins chère que la plupart des huiles démaquillantes qui sont aussi bien, je veux dire. Et puis voilà, tout simplement, je vais la rincer à l'eau avec mes mains. Parfois, je prends un peu d'eau, j'émulsionne un tout petit peu avant vraiment d'enlever tout le produit et après, je rince. Voilà, là déjà, ma peau, elle est bien propre, bien démaquillée. Et quand vous séchez votre peau, évitez de lisser avec la serviette parce que la serviette ça fait comme un petit gommage en fait mécanique. Venez plutôt comme ça tapoter tout doucement votre peau histoire de ne pas l'agresser. Et oui, quand je rince les produits, soit je les rince tout simplement avec mes doigts, soit j'utilise une petite éponge Conjac et là j'ai renouvelé la mienne. Maintenant j'ai celle-ci, c'est une éponge Conjac au charbon de la marque InnovaTouch. Et franchement, elle est top, top, top celle-ci. Elle est vraiment toute douce. Et en plus, il y a du charbon dedans, donc ça vient purifier la peau. Et donc, une fois que la peau, hop, elle est bien démaquillée, je vais venir la nettoyer. Démaquiller et nettoyer, c'est pas du tout la même chose, hein. Faut pas confondre. Moi, j'ai pas nettoyé ma peau pendant des années. En fait, je démaquillais juste et je pensais que c'était suffisant. Et après, j'appliquais mes soins. Maintenant, je viens quand même la nettoyer. Et alors, j'essaie de nettoyer ma peau avec un produit qui va... Voilà, venir vraiment enlever toutes les cellules mortes, les impuretés, etc. Mais qui en même temps contient des actifs qui vont lui apporter quelque chose. Et en gros, ouais, en ce moment j'oscille entre 4 nettoyants. Alors le premier, c'est un nettoyant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un produit de la marque InnovaTouch aussi. Gel nettoyant visage au charbon de bambou, aux vitamines B3, B5, aide à éliminer les impuretés et le maquillage. Mais bon, moi je me démaquille pas avec. Nettoie les peaux grasses. Alors en fait ça se présente comme ça et j'ai acheté ce produit parce que j'avais énormément d'excès de sébum il y a quelques temps, des points noirs et tout ça. Le produit il est noir d'ailleurs, mais je vous assure, bon il est noir sous forme de gel, hein, c'est pas du tout un masque peel off et tout, pas du tout. Il marche tellement bien qu'au début je l'appliquais tous les soirs. Finalement j'ai espacé un petit peu les applications, maintenant je l'applique une fois par semaine. Mais vraiment, moi j'ai vu une différence assez incroyable sur le sébum, les points noirs et tout ça, sur vraiment la purification de la peau quoi. Donc celui-là en gros je l'applique une fois par semaine et sinon soit je me nettoie la peau avec le nettoyant au rétinol et au jasmin de chez Pixie. Je vous ai parlé de ce produit, bon pour le moment j'en suis pas encore en 100% convaincue, là j'ai dû utiliser la moitié. Bon il est très agréable à utiliser et tout hein, mais je vois pas d'efficacité particulière je veux dire. Sinon, j'utilise aussi un nettoyant de la marque Caudalie et de la gamme Vinopur. J'adore cette gamme, c'est une super gamme, vraiment qui est efficace, qui est assez clean. C'est vraiment une gamme qui est top. C'est la gelée nettoyante purifiante, ça je vous en ai déjà parlé je crois par contre. Et en fait, elle contient de l'acide salicylique qui est naturel et tout un complexe d'huiles essentielles bio qui sont purifiantes. Donc vraiment, l'acide salicylique et les huiles essentielles bio purifiantes, ça va venir vraiment enlever, désincruster, voilà, toutes les saletés de votre peau, vraiment la purifier. Et ce produit, il est super efficace. Là, j'ai utilisé ouais, plus de la moitié déjà. Dedans, il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de PEG, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de CLS, il n'y a pas de BHA, de BTH, etc, etc. Pas d'ingrédients d'origine animale, etc. Franchement, il est super, je me le rachèterai, c'est sûr. Et le dernier que j'utilise de temps en temps comme nettoyant, celui-là je l'utilise avec parcimonie parce que mon dieu je l'adore mais il est très très cher, d'ailleurs je l'ai presque fini, c'est le Perfectly Clean d'Estée Lauder, c'est ce produit-là, franchement ça c'est un must-have quoi, enfin pour moi c'est un indispensable, je crois que c'est le meilleur démaquillant que je connaisse. Pas démaquillant, pardon, nettoyant, je me suis trompée. Donc non seulement il vient nettoyer votre peau, mais vraiment en profondeur, il vient la purifier, etc. Il y a quelques acides de fruits à l'intérieur qui vraiment accentuent, je veux dire, le fait de nettoyer la peau. Et il fait une sorte de masque aussi qui vient hydrater. Donc en fait, quand vous appliquez ce produit sur votre visage, il est nettoyé, purifié, comme si vous avez fait un petit masque, la peau est hydratée après, c'est vraiment un produit multifonction. Bah d'ailleurs, dessus, il y a marqué multi-action, mousse nettoyante multi-action, masque purifiant. Et vraiment, le top du top, vraiment la cerise sur le gâteau de ce produit, c'est l'odeur, quoi. C'est l'odeur. J'aimerais pouvoir traverser la caméra et vous faire sentir ce truc-là. Essayez d'aller le sentir en magasin.
C'est un délice. Je serais incapable de vous décrire l'odeur, mais c'est un délice. J'aime tellement ce produit que moi, quand je l'utilise, je passe des fois dans la douche comme ça, des minutes et des minutes et des longues minutes, à me masser le visage avec, à le faire pénétrer dans ma peau, cou, décolleté, buste, visage. Tellement c'est un kiff de sentir et sentir cette odeur, quoi, je vous assure. Bref, mais bon, aujourd'hui, je vais prendre le Caudalie, le vino pur. Donc, c'est une gelée. Je vous montre un peu la texture comme ça. Voilà, c'est texture gelée. Pas la peine d'en mettre des masses et des masses. Donc, par contre, ça sent vraiment les plantes. Hein. Ça sent vraiment les huiles essentielles. Ça sent les plantes. Si vous n'aimez pas les odeurs comme ça naturelles de plantes, ça va peut-être pas vous plaire. Moi, personnellement, j'ai eu un tout petit peu de mal à m'y faire au début. Et puis, vu l'efficacité que j'ai pu constater au fur et à mesure sur ma peau, je sais pas, c'est peut-être ça qui a fait que maintenant, je l'adore. Donc, je l'applique exactement pareil hein, sur ma peau, comme ça. Je fais bien pénétrer partout, par petits mouvements, comme ça, circulaires et tout. Vous voyez, c'est une sorte de mousse. Je rajoute un tout petit peu d'eau pour humidifier, enfin liquéfier un peu le produit, que ça se déplace mieux. J'en mets pas sur les yeux par contre hein, de ce produit-là parce qu'il contient de l'acide salicylique et comme je vous ai dit, des huiles essentielles. Donc bon, vaut mieux quand même pas en appliquer sur les yeux. Donc je fais bien le buste ici, tout le cou, histoire de bien détoxifier aussi ces zones-là, qu'on oublie souvent. Hein. Le menton, ça pour moi c'est le plus important, les ailes du nez, tout le nez, le front. Ne vous pressez pas, prenez votre temps, laissez le temps au produit vraiment de nettoyer votre peau et surtout comme je vous dis, si vous choisissez un nettoyant avec des actifs hyper bénéfiques pour votre peau à l'intérieur, voilà, laissez-lui le temps de bien pénétrer la peau pour que, en plus d'être nettoyée, bah, la peau elle bénéficie vraiment de tous les ingrédients du produit quoi. Généralement quand je fais ça dans la douche, je le laisse un peu agir, genre 2-3 minutes, le temps de me savonner le corps et tout. Et je le rince ensuite. Là, je vais le rincer directement avec l'éponge qu'on jacque d'ailleurs au charbon. Parce que c'est plus doux et puis ça permet de encore mieux faire pénétrer le produit, je trouve. Pareil, je rince en venant tout simplement tapoter comme ça, tout doucement. Tout en douceur. Pour ne pas agresser la peau avec les serviettes abrasives. Bon, malgré la lumière qui est un peu proche de moi, là, je vais me rapprocher pour vous montrer quand même là déjà comme la peau est purifiée de très très près. Vous voyez comme elle est nette, vraiment propre. On le voit, on voit que le produit lui a vraiment fait du bien. Et donc, à ce stade-là, je sors de la douche normalement. La peau bien démaquillée, bien nettoyée, bien propre. Si je suis en période où j'ai vraiment des excès de sébum, etc. et que j'ai besoin vraiment d'enlever le sébum, c'est à ce moment-là que je me fais un petit masque à l'argile. Parce que la peau, non seulement elle est démaquillée, nettoyée et tout, donc elle est propre. Et en plus, avec la chaleur de la douche, les pores sont bien ouverts et tout, donc c'est le moment, s'il y en a besoin, de venir vraiment détoxifier avec un masque à l'argile. Là, je ne vais pas le faire forcément parce que c'est assez lisse, voilà, j'ai pas forcément de sébum en ce moment. Et quand je fais ça, j'utilise le masque retexturisant à l'argile rose, de chez Origins. Donc c'est les masques de la gamme Original Skin. Je ne sais pas si vous les connaissez, je vous avais déjà parlé du noir, il me semble, au charbon actif. Et celui-ci, c'est le rose. Et donc, j'en applique moi surtout ici, le nez, les ailes du nez et le menton. Ça, c'est vraiment top de le faire quand votre peau, elle est encore, quand les pores sont encore un peu dilatés avec la chaleur, etc. Ce sera vraiment beaucoup plus efficace que si vous le faites sur une peau complètement sèche, avec des pores vraiment serrés, quoi. Mais bon, ça, je ne le fais pas forcément aujourd'hui. Sinon, systématiquement, après, je viens appliquer un hydrolat. Alors, j'en utilise plusieurs, soit la sauge par exemple, qui est purifiante, donc c'est celui-ci, soit la rose, qui va quasiment à tout type de peau. Donc la rose, c'est la marque Sobio, la sauge, c'est la marque Laboratoire du Haut-Ségala, et là, dans ma salle de bain, j'ai aussi la verveine. Donc elle, la verveine, c'est plutôt, elle a plutôt des vertus raffermissantes. Laboratoire du Haut-Ségala aussi. Enfin voilà, chaque fleur ou chaque fruit a ses vertus. Donc c'est vrai que moi là j'ai raffermissante, purifiante parce que c'est ce dont j'ai le plus besoin. Et la rose, c'est vraiment hyper bénéfique pour tous les types de peau. Donc voilà, je l'applique sur peau encore un peu humide et sous forme de spray. Ça va démultiplier, je crois que je vous l'avais dit une fois, vraiment les effets du produit sur votre peau. Et ça, je l'applique partout, hein. Donc sur le visage, les yeux aussi.
le cou, le décolleté. J'en mets souvent un petit peu masse, hein. Je me lâche avec les hydrolats, mais bon, ça reste des fleurs, c'est bio, pas de soucis, il n'y a rien de mieux pour la peau. Et après, j'attends. J'attends vraiment que ma peau soit sèche et qu'elle ait bu vraiment toute l'eau florale, quoi. C'est une sorte d'intermédiaire, voilà, entre le démaquillant, nettoyant et l'hydratation que je vais faire après. J'apporte cette petite touche en plus d'hydratation ou de bienfait floral. Moi j'aime bien et en plus c'est frais, ça fait du bien, c'est agréable. Je viens hydrater un peu mes lèvres aussi et ce que j'adore utiliser, c'est les huiles confort lèvres de chez Clarins. Alors j'en ai deux, bon il y en a une qui est terminée, celle-ci qui est au miel, bon, elle est presque finie. Et celle-ci c'est la teinte 03 Red Berry. J'adore ces produits. Franchement, on dirait des glosses, on dirait vraiment des glosses, sauf qu'ils sont vraiment nourrissants et hydratants pour les lèvres. En plus de venir apporter ce petit glow et tout à la bouche, moi j'adore. Vous voyez, je mets celui-là, là, le numéro 3, qui a des petites teintes un peu rose-rouge, quoi. Donc, non seulement ça va venir nourrir, hydrater les lèvres, et en plus, ça va leur apporter, voilà, une petite couleur, un peu de peps. Franchement, c'est les meilleurs produits lèvres hydratants que moi j'ai pu découvrir. Et même, j'en mets le matin en guise de gloss, c'est trop joli. Regardez. Ça suffit, hein, on dirait un gloss un peu teinté. Ça, c'est vraiment mes produits chouchou pour hydrater les lèvres. J'en profite un peu pour m'enlever 2-3 poils qui me dérangent. Et est-ce que... Non mais, je vais vous dire un truc. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que au moins une d'entre vous a des poils, des fois, des tout petits, hein, genre duvet, mini-mini quoi, mais qui poussent là, au coin interne de l'œil? Je vous jure que moi, des fois, j'en ai quoi. Truc de fou, c'est horrible, enfin je déteste ça, il n'y a que moi qui les vois bien sûr, parce qu'il faut vraiment se rapprocher comme ça pour les voir. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai des fois un poil ou deux qui poussent ici au coin interne de l'œil. Je vous assure, très bizarre. Few moments later. Très bizarre. Bref, on s'en fout. Donc, là la peau, elle est nickel, elle est prête à recevoir les soins, elle est propre, elle est nettoyée, elle est purifiée, et encore j'ai pas mis d'argile. Donc, étape suivante. Étape fondamentale, je mets une sorte de sérum. Enfin, en tout cas, je mets souvent un acide. Soit un acide, soit du rétinol, soit du collagène, un produit de ce genre-là. Donc, soit je mets ma fameuse crème Hyalucette, je vous en ai déjà parlé. La fameuse crème Hyalucette, c'est celle-ci. Bon, là, elle est toute ratatinée parce qu'elle est presque finie, celle-là. En fait, c'est une crème qui s'achète en pharmacie sans ordonnance. La Hyalucette Plus, par contre, il faut une ordonnance. Mais la Hyalucette normale, il ne faut pas d'ordonnance. Elle n'est pas faite en principe pour le visage. Je vous en avais parlé d'ailleurs, c'était un de mes secrets de beauté. Au tout début de ma chaîne, dans ma vidéo, je vous partage mes secrets de beauté. Bien, j'avais mis la Hyalucette, je vous avais mis des liens d'ailleurs, je vous en remettrai si vous voulez, puisque je la trouve sur Amazon, beaucoup moins cher qu'en pharmacie par exemple. C'est de l'acide hyaluronique pur. Donc ça, je l'applique à peu près 1 à 2 fois par semaine, en guise de sérum en fait, sous ma crème. Sinon, en termes d'acide hyaluronique, j'ai aussi le sérum, le fameux sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique que tout le monde connaît, qui est top. J'ai aussi de l'acide hyaluronique sous forme de gouttes. C'est la marque Soivre. Cette marque, elle est assez connue, mais c'est la gamme Radiance Expert. Et je vous avais parlé de ces petits produits que j'ai achetés. En fait, j'en ai acheté 3. Ce sont des gouttes vraiment ultra concentrées en acide. Alors, le bleu, c'est l'acide hyaluronique, donc ça, voilà, ça se présente comme ça, qui va venir vraiment hydrater, puisqu'on sait que l'acide hyaluronique, il peut retenir jusqu'à je sais pas combien de fois son poids en eau, donc c'est vraiment l'hydratant number one. Et j'avais acheté 2 autres aussi, les gouttes ultra concentrées d'acide glycolique, donc là, c'est plutôt pour venir vraiment détoxifier, purifier, vraiment faire un peeling, c'est le rose, comme ça. Et j'ai acheté le 3e. C'est les gouttes ultra concentrées, mais là par contre c'est du collagène. Donc là on est plutôt sur tout ce qui est anti-âge. C'est le collagène, c'est le vert comme ça. Et franchement, c'est 3 produits. Il suffit d'en appliquer une mini goutte vraiment sur le front, chaque joue, le menton, le nez. Et tout de suite on voit un effet instantané. Ces 3 petits produits, je vous en reparlerai, c'est vraiment des petites merveilles. Sinon, j'applique aussi de temps en temps le produit The Ordinary avec 10% de niacinamide et 1% de zinc. Donc c'est celui-ci. Ou alors, toujours The Ordinary,
C'est le fameux produit à la caféine. Donc là, c'est surtout pour tout ce qui est contour des yeux, cernes, poches, etc. C'est celui-là. Mais de toute façon, moi, j'adore tous les petits produits The Ordinary comme ça. Ils sont hyper concentrés en ingrédients, enfin en actifs et pas chers du tout en plus. Ou alors, un produit que j'applique énormément en ce moment, c'est le sérum à la vitamine C, donc de la marque Tiam. C'est le My Signature Red C Serum qui contient 20% de vitamine C. Et également de la vitamine B12 et du glutathione. Donc c'est celui-ci, j'arrête pas de vous en parler, je l'adore, je trouve qu'il est d'une efficacité de dingue. Et j'applique aussi le sérum en fait au collagène de la marque The Incalist. Ça c'est un peu comme The Ordinary, je vous en ai souvent parlé de la marque The Incalist, j'aime beaucoup beaucoup leurs produits. Bon, je vais appliquer celui-là aujourd'hui. Il est extrêmement liquide, je sais pas si vous pourrez voir à la caméra, regardez. C'est une sorte vraiment de sérum très très fluide, transparent. Je le fais un petit peu chauffer comme ça dans mes mains et je vais venir en appliquer sur tout mon visage, mes yeux également, contour des yeux. Plutôt que d'appliquer un produit supplémentaire, je veux dire un contour des yeux supplémentaire à base de collagène, parce que le collagène c'est vraiment top top pour tout ce qui est petites ridules et tout du contour des yeux vu que c'est anti-âge. Autant appliquer ça partout quoi. Et également le cou, j'en mets aussi sur le buste, hein, sur le décolleté. Donc voilà, là je viens de vous montrer en gros les 6-7 produits que j'utilise en ce moment en termes de sérum avant la crème qui va être vraiment hydratante, nourrissante. Donc j'alterne, un soir je vais mettre la vitamine C, un soir du rétinol, un soir du collagène. Ça dépend de ce dont j'ai besoin, mais j'essaie au moins d'en appliquer un par soir. Ce qui fait qu'en gros, sur la semaine, si je compte les 7 jours, j'ai les 7 ingrédients qui sont pour moi fondamentaux, vraiment les pépites pour la peau, qui seront que j'aurai appliqué sur ma peau, quoi. Donc ma peau en bénéficiera au moins une fois par semaine. Et ça m'arrive parfois, j'en applique deux. Par exemple, je peux appliquer collagène et acide hyaluronique. Mais il faut faire attention quand même à la compatibilité des produits. Mais voilà, à minima, j'en applique un seul, parfois plus. Si j'ai le contour des yeux particulièrement desséché ou déshydraté, je rajoute un contour des yeux. Mais là, ce n'est pas le cas puisque le sérum que j'applique et la crème que je vais appliquer ensuite s'appliquent également sur le contour des yeux. Moi, franchement, si je peux trouver des produits qui s'appliquent sur les deux, visage et yeux, ça m'arrange. Et voilà, là, c'est instantanément pénétré. C'est vrai que c'est ce produit au collagène, mais comme les autres que je viens de vous montrer, moi, je les adore. C'est pour ça que je voulais vous les montrer dans cette vidéo parce que pas besoin forcément de les masser, ça y est, instantanément la peau les boit quoi. C'est assez satisfaisant cette sensation, je veux dire. Sinon oui, le produit dont j'ai oublié de vous parler, mais je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, que j'applique à la place d'un des sérums que je viens de vous montrer là, c'est le Diabolic Tomate donc de chez Garantia, mais je crois que je vous l'avais montré dans ma vidéo sans fond de teint justement, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, une de mes dernières vidéos. Puisque ce produit contient énormément d'ingrédients, mais de folie pour la peau, dont des peptides. Et ça aussi, c'est top, top, top. Il est dingo-dingue ce truc, j'en suis tombée complètement amoureuse. J'attends toujours, une ou deux, voire trois minutes, avant d'appliquer le produit suivant, que la peau vraiment absorbe à fond, à fond, à fond, là en l'occurrence le collagène. Mais on sent que ça suffit pas. Enfin, moi je sens que personnellement, j'ai besoin d'un truc un peu plus hydratant derrière. Alors attention, je dis souvent à certaines d'entre vous qui me demandaient des conseils, soit dans les commentaires, soit en DM sur Insta, hydrater et nourrir, c'est pas la même chose, vraiment. Hydrater, c'est vraiment venir apporter à sa peau tout ce qui est à base d'eau plutôt, et nourrir, c'est plutôt venir apporter des produits à base d'huile ou de beurre végétaux par exemple. La nutrition et l'hydratation de la peau, c'est pas pareil du tout. C'est pour ça que c'est vraiment important de savoir si vous avez une peau qui est déshydratée ou qui est desséché, parce que les produits vont pas être les mêmes en fonction du type de peau quoi. J'en profite pour vous dire, ce que je fais là ce soir, c'est plutôt de l'hydratation. Parfois, après l'étape de l'hydrolat, je viens pas forcément appliquer de sérum ni de crème, je viens simplement appliquer une huile qui va aller sur le visage, le cou, le buste et le contour des yeux. Parce qu'une fois que vous avez appliqué une huile, ça je vous l'avais dit une fois, l'huile elle fait barrière en fait aux autres produits. Donc d'ailleurs si vous appliquez une huile, il faut toujours l'appliquer en dernier. Et en ce moment, celle que j'applique, c'est une huile que j'avais reçue aussi du site Macosme, de la marque Intimu, je pense que ça se prononce comme ça. C'est une huile qui est à l'aloe vera et à l'huile essentielle de myrte. Donc le produit se présente comme ça. J'aime énormément ce produit. C'est une huile qui est pareil,
très fine, très légère. C'est vraiment un produit qui est top pour la peau. Donc voilà, mon petit collagène a pénétré ma peau. Et alors ensuite, en ce moment, j'oscille entre deux produits que j'essaie de terminer avant d'entamer les nouveaux. Soit j'applique une crème de la marque Some By Me, ça je l'avais reçue du site Stylevana, je l'aime beaucoup. J'étais un peu sceptique quand je l'avais reçue parce qu'elle est à base de bave d'escargot. Et le seul produit que j'avais essayé jusqu'alors à base de bave d'escargot, j'avais détesté, genre détesté l'odeur. Alors que là, on ne sent pas du tout d'odeur de bave d'escargot. Ce produit, je l'adore, c'est la, je ne vous ai même pas dit, elle s'appelle, donc la crème, elle s'appelle Snail True Jessica. C'est la crème réparatrice miracle qui contient également des peptides. Donc elle se présente comme ça, mais tout est écrit en coréen. J'aime beaucoup, beaucoup les produits de la marque Some By Me. Donc soit je mets ça, d'ailleurs je pense que je vais la mettre ce soir, vous allez voir, elle est fluide et tout, elle est dingue. Soit je mets un masque de chez Clinique. Bon là, il est tout découpé parce que je suis en train de le terminer. Il s'appelle tout simplement masque hydratant de nuit. Vraiment, vous mettez ça le soir, vous vous levez le matin, votre peau, elle est complètement réhydratée, quoi. C'est un super masque, il est pas très très cher pour la marque Clinique. Donc ouais, j'aime beaucoup. Mais ce soir, je vais mettre celle-ci. La crème Some By Me. Regardez, je vais essayer de vous montrer un petit peu la texture à la caméra. Regardez comme elle est fluide, comme elle est fine. Limite, on dirait limite une crème gel en fait. Et donc là pareil, pas de contour des yeux parce que cette crème elle s'applique largement sur le contour des yeux. Donc entre le collagène que j'ai mis sur le contour des yeux et cette crème là avec des peptides à l'intérieur sur le contour des yeux aussi, franchement ça suffit. J'ai pas besoin de mettre un produit spécifique contour des yeux. Et vous voyez, regardez, elle est déjà quasiment pénétrée. Elle laisse pas d'effet collant, pas d'effet gras. Après avoir appliqué tout ça, vous allez me dire, c'est déjà pas mal, ces 5-6 produits. Je me sens bien, je sens que ma peau elle est hydratée, elle est nourrie. J'ai aucune sensation de sécheresse, de tiraillement, etc. Je sais pas, je sens qu'elle est, elle est nickel. Je peux aller me coucher tranquillement. Parfois, je rajoute encore un peu de... Enfin, parfois, tout le temps en fait, non, avant de me coucher. C'est une sorte de toc, je remets toujours un peu d'huile confort lèvres de chez Clarins avant de me coucher et de mettre mon appareil dentaire toutes les nuits. Je fais ça, enfin à chaque fois avant de m'endormir. Et voilà, là c'est nickel. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près du coup ce que donne ma peau après la skincare routine du soir là. Bon, j'ai mon petit duvet, hein, on en a parlé dans ma dernière vidéo. Et vous voyez, elle est parfaitement nettoyée, bon démaquillée bien sûr, purifiée. Elle est bien nourrie. Voilà, je suis assez contente de ma peau. Alors bien sûr, elle n'est pas parfaite. J'ai quelques petites taches, quelques petites imperfections, etc. Mais cette skincare routine, notamment celle-ci du soir, celle du matin et la routine aussi hebdomadaire, depuis quelques semaines, quelques mois, ont vraiment transformé ma peau, comme je vous disais la dernière fois. Et vous voyez, finalement, c'est pas grand-chose. Là, je papote, je vous explique. Finalement, ça va assez vite. Il y a 5-6 produits, bon, sans compter voilà, les huiles à lèvres et tout ça. J'essaierai de vous mettre le max d'infos sous la vidéo et de vous mettre des liens aussi. Parce que vraiment, si je voulais vous parler de tous ces produits, c'est parce que c'est ceux que j'utilise en ce moment. Je les aime beaucoup, je les trouve très efficaces. Vous savez que je ne suis pas payée, je ne suis pas sponsorisée. Donc l'avis que je vous donne là, il est vraiment sincère. Si je vous le dis, c'est parce que moi, j'ai pu observer vraiment des bienfaits sur moi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous les partager. Même si certains produits ont été reçus gratuitement, que je n'ai pas payé, mon avis reste le même. Généralement, quand j'aime pas trop un produit que j'ai reçu gratuitement, j'évite plutôt d'en parler en vidéo. Mais là, vraiment, tout cela sont top, 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 top. Vous les retrouverez tous là-dessous. On se retrouvera pour une morning routine. Et surtout, j'ai envie de vous faire la routine hebdomadaire où je passe plus de temps, je m'occupe de mes cheveux, de mon corps. Je vais vous montrer un petit peu aussi tout ça. En tout cas, j'espère que cette première vidéo dans ma salle de bain vous aura plu. Malgré les petits soucis encore, je suis en train de régler tout ça. J'ai envie d'en faire plus des vidéos dans ma salle de bain, donc je vais trouver une organisation step by step. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. De commenter, surtout de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.